And our last speaker is Bertrand Badré, who is former managing director of the World Bank and today heads an investment firm whose name is Blue Like an Orange. So it sounds like we can expect some optimism from Bertrand. Merci. Je vais parler en français pour une fois. C'est un luxe rare et apprécié. Il me revient le rôle compliqué après tout ce qu'on a entendu. Heureusement que Carlos a donné une petite note plus positive sur le Brésil, d'expliquer pourquoi, si j'entends tout ce que j'ai entendu à ma gauche, il reste une bonne idée d'investir en Amérique latine aujourd'hui. Alors, une fois que j'ai dit ça, silence. Mais fondamentalement, c'est bien ça que j'ai choisi de faire en quittant la Banque mondiale. En partenariat avec la Banque interaméricaine de développement, nous avons créé Blue Like an Orange, en hommage à Paul Éluard, la Terre est bleue comme une orange, Earth is blue like an orange, pour nous attaquer aux questions qui ont été soulevées par mon voisin, qui est le monde, en 2015, a pris un certain nombre d'engagements sur le développement durable et le climat, et une bonne partie de ces engagements seront gagnés ou perdus à l'échelle de la planète, notamment en Afrique et en Amérique latine. Et donc j'ai choisi de commencer en Amérique latine, parce que c'est un continent où il y a beaucoup d'opportunités. Alors, je me souviens très bien de ce que m'avait dit Luis Alberto Moreno, le président de la Banque interaméricaine, il y a 2 ans. D'ailleurs, je l'avais réuni devant mes possibles investisseurs. Il avait commencé en disant « Latin America is great, but there is a footnote. It's not for beginners. » And that's exactly the point, quand on a entendu tout ça. Donc, c'est vrai que quand on regarde le continent dans son ensemble, 2019, ce n'est pas une très bonne année. Ce n'est pas une très bonne année parce que la croissance est affaissée au Mexique, qu'elle reprend à peine au Brésil, et on peut prendre pays par pays, on peut effectivement dire que ça ne va pas. Et au niveau de l'ensemble du continent, qui est en plus tiré vers le bas par le Venezuela, qui pèse beaucoup sur la croissance macro du continent, on est juste au-dessus de zéro. Dernières estimations du FMI pour cette année, même s'il anticipe un rebond l'année prochaine, tiré notamment par le Brésil. Donc, vision macro, pas très enthousiasmante. Vision politique, un peu compliquée. Comme la plupart des gens passent assez peu de temps à comprendre l'Amérique latine, ils lisent le journal et ils disent « la capitale de l'Équateur a été transférée de Quito à Guayaquil ». Ils lisent les élections primaires en Argentine. Ils disent « ben oui, on croyait que Macri, c'était Macron et en fait, pas du tout ». Ils regardent les disputes entre Bolsonaro et Macron et ils disent « ah là là, alors le Brésil, on n'y arrivera pas ». Et je peux continuer la liste. Ou le fait que le président du Mexique, effectivement, ne soit pas encore sorti du Mexique. Donc tout ça, on peut regarder et se dire, le verre, il est plutôt à moitié vide qu'à moitié plein. Et il faut avoir ça à l'esprit. Mais en même temps, et c'est mon job, je pense qu'il est en réalité plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Alors à la fois, parce que 2009, c'est un moment où on prend une photo, mais que c'est une photo qui vient quand même après 20 ans de progrès et de changement. Ça a été rappelé. Depuis 20 ans, il y a de la croissance, le revenu par habitant a augmenté, il y a un développement des classes moyennes, de la société civile, des institutions. Effectivement, il y a 3 présidents péruviens qui sont en prison. Enfin, s'ils sont en prison, c'est que le système judiciaire fonctionne. C'est plutôt positif. Enfin, ce n'est pas ce qu'on aurait eu il y a 25 ou 30 ans. Et on peut reprendre le cas du Brésil, etc. Donc, il y a des institutions qui tiennent la route, il y a une société civile qui bouge. Et donc, tout ça est un facteur de confort. Les progrès économiques depuis 20 ans ne s'arrêtent pas du jour au lendemain. On n'est pas au bord d'une falaise où le système s'effondre. On est à un moment d'ajustement où, effectivement, la fin du cycle des matières premières, les tensions commerciales pèsent plus sur l'Amérique latine que sur la plupart des autres continents. Et ça, il ne faut pas le nier. Mais en même temps, c'est le moment où le Mexique devient le premier partenaire commercial américain devant la Chine. Et l'intégration Mexique-Amérique, enfin États-Unis, pardon, est un facteur qui montre le travail qui a été fait par le Mexique dans l'intégration des chaînes de valeur depuis 20 ans et qui maintenant fonctionne. Ce qui fait que je suis plutôt optimiste sur le Mexique parce qu'il n'y a plus aucune chance. C'est maintenant too big to fail pour les États-Unis. Plus compliqué pour le Brésil. Donc, vous voyez, on peut regarder tout ça. Et surtout, et c'est pour moi, je vais essayer de ne pas être trop long qu'on puisse répondre aux questions, et je ne reviendrai pas dans le détail des pays, mais c'est surtout, ça illustre un sujet qu'on peut retrouver d'ailleurs avec des échos en Afrique, où pour les gens, quand ils regardent l'Amérique latine, c'est un ensemble, comme l'Afrique est un ensemble. On dit les marchés émergents, puis après, quand on est un peu plus spécialisé, on dit, oui, il y a l'Asie émergente, il y a l'Afrique et l'Amérique latine.
Et c'est en partie, ça fait en partie du sens parce qu'il n'y a aucun des marchés financiers latino-américains individuels qui est à l'échelle de la planète. Donc c'est vrai qu'on raisonne en allocation Amérique latine et qu'on regarde assez peu dans le détail. Et encore une fois, c'est le même sujet qu'en Afrique. On oublie que l'Afrique, c'est 55 pays et que l'Amérique latine, c'est 32 pays. Donc il faut regarder dans le détail. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème à Quito qu'il y a un problème à Bogota, etc. Donc effectivement, je reviens à ce que disait Luis Alberto Moreno, ce n'est pas pour les débutants. Donc il faut être sélectif. Et les conversations, je finirai peut-être là-dessus, sur deux points. Les conversations que j'ai pu avoir cette année en allant discuter de projets au Brésil, au Mexique ou ailleurs, ben c'est que ce n'est pas parce que la croissance du Mexique est de 0% que tout le monde est à 0%. Ça veut dire qu'il y a du plus 5 et du moins 5. Et ça veut dire qu'on peut aller sur le plus 5. Moi, j'ai découvert au Mexique, et je le dis avec humilité, parce que j'aurais dû le savoir avant, qu'il y a un boom dans les technologies à Guadalajara, par exemple. Il y a des entrepreneurs, je suis allé les voir, qui ont signé des accords avec les Israéliens et qui font des choses absolument exceptionnelles. Donc, Brésil, pareil, dans la fintech au Brésil, etc. Je peux prendre des exemples partout. Donc, il faut se désengager cette vision un peu misérabiliste, macro, sur le thème « ça va pas », etc., qui est exacte, mais qui ne représente qu'un reflet d'un certain nombre de choses qui se passent dessous. Et puis par ailleurs, et c'est ce que vous venez de dire, un des enjeux majeurs du continent, et je pense que ça va se voir de plus en plus, alors malheureusement de manière un peu désagréable cet été sur l'Amazonie, c'est que c'est sur la question du climat, comme sur la question de la biodiversité et de la nature qui vont être au sommet des négociations internationales en 2020, c'est en Amérique latine que ça joue. Entre 40 et 50% de la biodiversité mondiale est en Amérique latine. On a bien vu sur l'Amazonie l'absorption du carbone. On a dit que c'était le poumon de l'humanité. Alors après, on dit non, c'est le poumon du Brésil. Alors, question de souveraineté. N'empêche que ça va être au cœur des sujets. Et donc d'investir, comme j'essaye de le faire, sur ces sujets de développement durable dans le continent où va se gagner ou se perdre ce combat, je pense que ça fait plus de sens que jamais. Et il y a bien de la valeur, non seulement morale, éthique, alors j'en suis convaincu, économique. Voilà. Merci, Bertrand.